Et salut Meute, c'est Fenrir, on est parti pour un petite émission hebdomadaire. Pour l'instant on va garder ce petit overlay gratuit de Stream Element pour faire un petit côté un peu plus présentation pour cette émission, donc qui est, comme vous pouvez voir tout en haut à gauche de l'écran, The Wolfpack Rage, qui est en fait le nom du tournoi Mario Kart qu'on va faire chaque semaine, tous les mardis à 21h30, 16 courses. Je vais vous présenter ça tout de suite d'ailleurs. Hop. Donc il vous faudra le code ici présent, qui est d'ailleurs disponible sur tous les réseaux sociaux et est disponible sur le live. Si vous mettez l'exclamation tournoi, donc vous aurez les horaires et le petit code qui sera là. Donc vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Tous les mardis, donc de 21h30 à minuit, grand prix de 150cc, pas d'aide, pas d'assistance tout court. Chacun pour sa gueule, bien évidemment, il y aura un classement à la fin. 16 courses, parce que je crois que 24 ça faisait quand même très long. Mode normal, donc ça c'est pour les objets. Tous les 4 circuits, selon si on est nombreux ou pas, on peut changer de groupe. Et donc, qu'on ne peut pas affronter plus de 8 joueurs en même temps. Les IA, mode difficile. Tous les niveaux sont acceptés, tous les véhicules sont acceptés. Et il faut le code pour entrer le tournoi. On est parti. Ici présent, on aura donc la participation de Uni, que l'on remercie énormément et très chaleureusement parce qu'elle nous a fait l'émoticône. De loup animé que vous avez pu voir la plupart, qui est vraiment une émote hyper quali. Et normalement on devrait avoir la participation prochaine d'un autre membre de commu qui devrait pas tarder à arriver, donc on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu avant de sélectionner les trucs qui puisse quand même avoir son classement. Et évidemment le tournoi est ouvert à tous. Je vous laisse aller follow la chaîne Twitch, les différents réseaux sociaux pour venir tous les mardis soirs, on le fait vraiment tous les niveaux. Si vous êtes streamer et tout, n'hésitez pas à me le dire, comme ça vous pourrez venir en vocal. Si on est beaucoup, très nombreux, je garderai plus ou moins entre guillemets les streamers. Si on est, on va dire, la communauté habituelle, donc Uni, les personnes voilà, qui ont le jeu, qui je peux jouer souvent, là on peut être plus spectateur pour les. Merci pour les mods, Inigo, pour le vocal. Le but du jeu, c'est vraiment pas de se prendre la tête, c'est le délire. N'oubliez pas une chose, la règle numéro 1 dans Mario Kart, on détruit les amitiés. Point barre. Mario Kart est le jeu qui détruit le plus d'amitiés au monde. Qu'on soit d'accord. C'est comme ça, c'est pas trop... Oh bah y'a pas le choix. Eh bah ça va lancer. Il nous a pas laissé le choix, donc bah voilà. Donc on est parti, donc déjà avec Uni, on va rigoler un petit peu. Chacun des tournois chaque semaine sera mis dans les jours qui suivent sur YouTube. On a une playlist spéciale pour ça. Donc vous allez pouvoir avoir les plus belles réactions, car je suis quelqu'un, comme vous le savez, qui est rempli de sel. L'émission s'appelle LSDM. Putain, les anagrammes à chaque fois. LSDM qui veut dire le sel de Mario ou le somme de Mario. Parce que évidemment, Mario Kart est un jeu qui nous attire du somme et du sel en boucle. Donc Uni, oh putain, Uni, bébé Peach dans son dans sa petite chaussure, on me fait rire. D'accord, pourquoi je pense... Ok. Il y a gros fail déjà des débuts, je pense un truc. Le plus important, c'est d'avoir un objet pour se défendre, donc une banane, n'importe quoi qui puisse au moins nous protéger le fion. Et comme par là, je me débarrasse de ce objet qui aurait pu m'aider dès le début. Voilà, là j'ai des trucs, je peux les garder, comme ça je peux les stocker derrière moi. Sur ce, je sais pas s'il y a une touche pour le... Ah bah voilà, en fait c'est si je maintiens la deuxième cachette que je peux poser derrière. Je le saurai. Je suis pas un expert, hein. J'ai joué beaucoup pour le délire entre potes, mais pas en compétition entre guillemets. Donc c'est vraiment le côté déjà pour le plaisir, déjà parce que ça reste un jeu hyper plaisant. Là et en plus l'excuse du jeu reste quand même l'arrivée déjà récemment du passe-moi. Salut Antoine, comment tu vas? Comment tu vas mon petit Forest? L'arrivée là récemment du pass du season pass, qui a ramené pas mal de... Je crois qu'il y aura 24... ouais, d'avoir 24 tournois... 24 tournois... Ouais, d'avoir 24... J'ai pas arrivé à trouver mes mots aujourd'hui. Hein. 24 circuits, il y en aura donc 48 à la fin. Donc ça, c'est cool. Donc c'est très très cool, ça. T'es en spectateur sur le jeu, là? Nickel. Bah nickel, en plus, si t'as raté qu'une seule course, tu vas pouvoir... à la fin, on aura juste besoin de te regarder faire ta dernière course. Pour justement que tu puisses avoir ton classement, donc ça c'est cool. Comme ça on est 3. Est-ce que tu veux te tenir en vocal, Dodo, ou pas? Merci, Yuneko. Comment tu vas, mon petit Dodoman? Comment vas-tu, mon petit... Oh, putain, je suis en train de me faire rentrer dedans. Non, pas à la fin, les gars. Comment tu vas, mon petit Forest?
Bah écoute, ça va et toi? Ça va, toi. On est en train de se préparer à la rage suprême. je vois ça. Bon, de toute façon, moi je suis pas très très bon. Hein. Comme j'ai dit, c'est tous les niveaux, hein. Honnêtement, moi j'ai pas de niveau exceptionnel. Il y a des petits trucs, en regardant des streamers, des fois j'arrive à avoir des petites strats. Tu sais, par exemple, j'ai l'habitude de moi spammer plus ces objets, toi. Tu sais, les objets qui me servent à rien, les utiliser pour rien. Pas penser à garder exprès une banane ou un truc comme ça pour me protéger le fion, toi. Et j'ai réussi à repérer 2-3, tu sais, c'est genre le boost, toi t'auras tendance à vouloir prendre le boost tout de suite pour justement garder la distance avec tes ennemis. Mmh. Alors que si tu le gardes un peu, tu peux cutter des virages. Ouais, tu peux cutter un peu, ouais, non mais... C'est des trucs à la con, hein, mais... Ouais. Mais c'est vrai que... Sachant c'est que... surtout la banane, etc, tu vois. Moi j'avais l'habitude d'utiliser tout le temps mes bananes. C'est pareil, c'est de mettre des pièges et tout, alors que si tu le gardes, c'est plus pratique, quoi. Et un autre truc aussi, vu que moi... j'ai acheté le passe combat. Vous avez accès alors je sais pas si c'est spécifique à ça ou est-ce que dans tous les cas quand tu joues en ligne tu as accès au c'est dans les choix aléatoires aux différents c'est au nouveau circuit. Ouais carrément. Mais en tout cas je l'ai pris et je pensais faire un truc. Je verrai si on le fait entre nous, peut-être ça peut être marrant en mode mini tournoi ou comme ça, c'est genre de let's play, c'est mais faire tournoi par tournoi. Ouais. Comme ça, comme là, il y a eu, mars-avril, il y a eu deux tournois qui ont ouvert. Donc, par exemple, là, le nouveau stade Tokyo, qui est une des nouvelles maps. C'est, on pourrait faire genre les 8 premiers tournois. Et après, faire comme ça tous les mois, c'est les nouveaux tournois qu'on pourrait rajouter au Let's Play, toi. Ouais, bah, carrément. Ça peut être que je crois qu'il y a une option pour jouer à plusieurs, même en ligne, mais c'est bah, avec les tournois, quoi. Ouais, sans avoir. Merde, je crois que. Ah, c'est pas en mode alternatif comme là, quoi. Ça, je voulais voir, c'est vrai qu'en plus les tournois c'est genre allez quoi 20 minutes t'as fini les 4 courses quoi, c'est assez rapide donc ouais ça va assez vite en vrai, hein, ouais. Ça peut faire un petit let's play comme ça assez fun, en plus ça serait top de le faire avec du monde, au moins une personne parce que t'arriveras plus facilement. Je me suis pris une putain de truc dans la gueule, je suis désolé, c'était la vie, je voulais la balancer par derrière. En plus c'est la VR quoi, c'est ça le pire, c'est que la VR à des moments t'arrives à la placer tu sais pas comment, je voulais la placer derrière et finalement je me suis fait niquer quoi. Bah non, je t'ai niqué du coup, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Enfin, il dit qu'il est nul, mais il est juste dans moi. Par contre, il y a un truc, je ne connais absolument pas les strats sur les véhicules. C'est le choix des véhicules par rapport au personnage. Ah ouais, tout. Oui. Parce que j'arrive pas... Avant, je m'en rappelle, dans les anciens, t'avais l'option... comment ça ? T'avais le petit truc, là, le petit symbole qui disait, ouais, il y a ça, tu sais, qui doit augmenter la vitesse ou pas, toi. C'est plus quand tu... c'est plus, putain, c'est ça. Ouais, quand tu choisis ton véhicule. Permet de voir si justement il est rapide ou pas. Mais moi j'avoue que je le prends plutôt parce qu'il est classe ou pas. Moi déjà de base je prends toujours Link parce que justement il y a Link. Alors j'ai mis Link. Carapace. Ah putain, bah, super. Ouais, parce que j'ai fait exprès de ralentir pour justement que ça touche avec. Ah bah c'est gentil. Aïe. T'as le boomerang. Aïe, je me suis fait niquer mon. Putain, je me suis fait niquer mes boules de feu. Oh, super. Je suis quatrième. Casse-toi, Link. Eh, j'ai rien fait, moi. Non, mais c'était pas toi, l'autre je Link. Sais. Parce que moi, je prends Link, justement, ce qui est sympa. Moi, je suis sixième. Mon Joy-Con gauche déconne, j'ai du mal à tourner à gauche. Ouais, mais ce que tu m'as dit tout à l'heure, en plus, ma pauvre. Oh, je finis septième. Oh, putain. Sachant qu'en plus qu'à la fin, comme je disais, donc le tournoi complet, c'est pour ça que j'ai mis que 16 courses, parce que c'est déjà 24 courses, ça fait genre presque 2 heures des fois. 16 courses, ça te fait 1h, 1h20 à peu près. Mmh. Comme ça, je mettrai le tournoi complet sur la chaîne. Ouais, bah ouais, carrément. Ça fait une petite VOD, en même temps, comme ça, ceux qui veulent voir leurs courses à eux déjà, s'ils ont envie, et en même temps, ça fait un bon délire, quoi. C'est une petite émission hebdomadaire, comme ça, tous les mardis. Le mercredi, mardi l'émission en live, et le mercredi ou le jeudi, la rediff avec une petite miniature. Ouais, bah c'est sûr que ça... Voter Uni ? Tu votais Uni pourquoi ? Attends, tu m'as dit... Tu m'as dit c'est plus alors ? Attends. Ah oui, d'accord. Bon, faut que je trouve le... un truc qui soit pas mal... C'est Marshall, comment tu vois ? Comment tu vois mon petit Marshall ? Qu'est-ce que tu nous as mis, toi ? Moi, j'ai pris les trucs de base, je les connais pas assez, sinon.
Champidrome. Bah, pour moi, j'ai mis, tu sais, le truc dragon, c'est ceux des nouvelles maps, parce que ouais, je ne l'ai pas fait encore. Le truc dragon, il paraîtrait que c'est le bordel. Ah, bah, tu me l'apprends. Comme je dis, j'ai pas du tout fait les nouveaux trucs, quoi. Ah, je crois que c'est un gros labyrinthe de... Oh putain, ouais. Une course labyrinthe. Je sais qu'il y a le truc du dojo qui est un peu hardcore des fois, parce que vraiment, tu rates un truc, tu peux te prendre un poteau, rester coincé dans un poteau. Il y a des moments, c'est un peu plus chaud, le temple dojo, là. Ouais, je vois, ouais. C'est vrai, par contre, c'est cool qu'après tant d'années que le jeu est sorti, au lieu de nous sortir un 9 par exemple, et ben ils nous ressortent un nouveau, mais en version comme ça, quoi. Tu payes 20 balles, mais t'as carrément quasiment un nouveau Mario Kart. Que t'as le double de course maintenant. Ouais, non, mais c'est vrai que tu vois, genre typiquement FIFA devrait un peu se. Ça fait des années que je le dis. Que sur une mise à jour même de 10-15 balles, il y aura beaucoup plus de personnes qui l'achèteraient. Ouais. Plutôt qu'acheter chaque année un nouveau. Envoler mes trucs. D'acheter à chaque fois un nouveau truc pour juste quoi? Pour des modifications de personnages, quoi. Ah, ok. Parce que c'est ce qu'a essayé de faire d'ailleurs. Comment il s'appelle? eFootball. PES là. Avec leur eFootball. Ouais. En gros, attention, ça sera un. Assez... Mais là, faut que j'essaie de partir plus loin possible. Nickel, c'est bon. Je suis dans la descente. C'est ce qu'a essayé de faire, ouais. Ah non! Ah, j'ai. Non, connard, putain, ça m'a niqué mon truc. Merde. Putain, mais. Ah, bah super, j'étais en l'air. Oh la totale, quoi. J'ai plus rien. Je suis en train de me faire niquer, pas Nia, s'il te plaît. Je suis 7ème. Après, Isaiah, c'est en temps difficile aussi, hein, faut pas oublier, hein. Donc, oui, aussi. Oui, puis je prends pas de caisse aussi. J'avoue que ça, j'ai. Ah, est-ce que. Moi, vu que je jouais au vraiment ancien. Le problème, c'est que j'ai un drift dans le Joy-Con de temps en temps. Donc, pas tout le temps, mais j'en ai un de temps en temps, ça m'emmerde. Quand je tourne à droite, des moments, personne, j'y reste bloqué pour tourner à droite. Oh, mais non, mais. Je me dis peut-être acheter une manette spéciale pour la Switch. Je sais pas si ça vaut le coup. Je pense que si. Hein. Oh, putain, mais encore. C'est bon, je suis passé à la ligne. C'est bon, premier. Ça va plutôt, et toi, faudrait que je passe au taf histoire de passer quelques cadeaux. Bah, avec plaisir. Mmh, avec plaisir plutôt. D'ailleurs, j'ai une de mes collègues qui a amené des gâteaux pour l'Aïd. Elle m'a fait carrément une boîte avec mon nom dessus en mode tiens, ça c'est que pour toi. J'ai mis dans mon vestiaire et j'ai ramené ce soir, j'ai mis au frigo. Parce que j'essaie quand même de faire gaffe un peu à ma ligne, donc voilà. Mais pas voilà. Pas de d'un coup. Ah oui, parce que genre. Elle sait que moi, tout ce qui est corne de gazelle, quand on dit. Ah, c'est rageant, j'ai du mal à prendre les virages gauche. Bah, attends, moi, c'est l'inverse. C'est quand je tourne à droite, bah, de temps en temps, il y a un petit drift. Donc, ça, c'est la connectique interne qui a du mal à se remettre en place. Que les Joy-Con, les deux Joy-Con, je crois que c'est 60 balles quasiment. Je crois que c'est prix d'un jeu complet, quoi. Les deux Joy-Con, c'est même peut-être 70 balles, je crois, un truc comme ça. Attends, c'est pas 40 euros l'un 30 ou 40 euros l'un, un truc comme ça. Ouais, bah, c'est hyper cher, quoi. Paris. Donc ouais, donc des fois c'est peut-être moins cher d'acheter même un truc Big Ben de manette de Switch plutôt qu'autre chose. Hein. Un truc les manettes de Switch un peu style manette classique. Ouais, j'ai les Big Ben. C'est ce que je prends à mon avis, ce que je vais faire. Mais même de la marque Switch, je crois que c'est pas hyper cher. Ouais. On va rater. Au moins pour les tournois, c'est le reste avec les tremblements, c'est sympa, mais au moins pour les tournois. Si ça passe pas comme ça, putain merde. Ok, alors. Oui, il y aura une carapace rouge qui va attaquer le dernier. Donc il est en train de faire tout le tour du stade, le carapace. Mais non, mais pourquoi ma gueule, y'a un mec devant moi, bordel! Je pense qu'elle va s'éclater. Ah ouais, bon. Pétavant. Hop, les petites pièces. Bon, j'avoue que je le connais pas du tout. En fait, t'as des chemins de partout. Ok, bon bah super. C'est un genre de labyrinthe aussi, celui-là. Je vais prendre ça. Allez, hop, les Nick. Non, c'est Nick, j'ai entendu. On l'a entendu, non, c'est le début de la rage, ça détruit les amitiés, on l'a dit. Ma regarde, détruit les amitiés. Non, c'était pas tellement ça, c'était surtout que j'ai réussi à avoir quelqu'un avec une bombe, c'était un peu moins fort. Non, avec ses. Il y a bébé Luigi avec ses trucs de feu. Mais moi, merde, j'ai toujours des rouges au moment où j'atterris ou alors qu'au moment où je m'envole. C'est...
C'est la Baby Peach là, qui m'emmerde là. Et je crois la connaître, la Baby Peach. Ah bon? Je crois que c'est Yuni, la Baby Peach. Ah putain, j'ai pas vu la bestiole. Après, il peut en avoir, ouais, il peut en avoir deux aussi, donc... Super, j'ai deux carapaces rouges. Bah tiens, prends-en une. Et bah prends-en une deuxième, alors. Non, vous m'emmerdez. Il y a des moments, pareil, on m'a dit, il y a des moments, il n'y a aucun intérêt à... Tu sais, à faire les jump boost, là. C'est ouais. Là, les trucs bleus. Il y a certains moments, vaut mieux pas le faire, et tu gagnes plus de temps qu'en le faisant, quoi. Moi, mon gros kiff, mon petit Marshall, c'est les cornes de gazelle. Je kiffe les cornes de gazelle. Et là, j'ai découvert un truc, les glawish, c'est genre de tresse de pâte mille, ouais. Au miel, toi. Et c'est super bon, quoi. Putain, putain, il y a une Peach qui est en train de me rattraper. Non, pas la fin, bande de salope. Et même pas où je suis, je crois que je me suis perdu. Ah, y a Baby Luigi qui est en train. Ah non, la Peach m'a rattrapé, la Baby Luigi qui me rattrape. Non, ah putain, deuxième à la fin, je suis deg. Je me suis fait niquer par Nia. Je sais même pas où je suis passé. Non, tu sais pourquoi? C'est celle qui. Peut-être toi, t'es quoi? T'es comme perso déjà? Moi, je suis Yoshi. T'es Yoshi bleu? Bah, toi, là qui Yoshi brille, bleu. Là, c'est. En fait, c'est la bébé Hermione. Uni, voilà, c'est la bébé Hermione. Harmony. Après, les gars, voilà, sur le chat et même sur la vidéo D. Uni a un drift de manette qui les bloque quasiment son joystick à gauche, ce qui fait qu'elle peut très peu tourner à gauche, elle peut juste faire droite et milieu, donc elle est là pour aider le tournoi pour faire un peu d'animation, mais voilà. Non, les gars, si vous faites assez de dons, on lui achète une nouvelle manette. Parce que toutes les 4 courses, comme c'est le tournoi, je peux pas le modifier. Donc au cas où si le tournoi a commencé à avoir beaucoup de monde, toutes les 4 courses, ça tourne les groupes. Donc là tu risques d'être avec des IA. Ou alors d'un coup tu vas peut-être réapparaître avec nous vu qu'on est que 3. Bah là pour le moment je suis tout seul. Bon, tant pis. Bah profite-en pour faire des points. Je vais essayer mais je me fais bolos pas. Allez, ouais c'est la Griwesh ouais. Les oreillettes, je te confirme c'est un délice. Ouais bah c'est qui? C'est Damien qui m'en a amené, qui m'a fait goûter et c'est super bon. Ça et les cornes de gazelle, honnêtement, je suis préféré. Tout ce qui était macro, tu sais, où il y a des dates et tout, je suis pas un grand fan. Les fruits, de toute façon, j'ai jamais été un grand fan de la pâtisserie des fruits. Pas à peine rire, du coup, je me mute 5 minutes. Non, mais tu peux parler en même temps, t'inquiète pas, ça me dérange pas. Hein. Non, mais c'est juste faut que j'appelle en même temps. Ah oui, pardon. Je veux pas déranger. Non, t'inquiète. Par contre, moi, ma partie, elle s'est pas lancée, bizarrement. Désolé Uni, la pauvre Uni. À la fin des rapages, j'ai passé mon moment et s'est pris une rouge. Qui était pas dessinée pour elle. Ah là, ça là. Ah, je m'enchaîne une rouge et une bleue. J'attends de me prendre plein la gueule, sérieux. J'ai pris 3 bleus déjà. Ouais, du coup, j'ai des Kuroku parce que ça voulait pas me lancer les parties. Ah merde. Bizarrement. Ça m'est arrivé. Et souvent, la dernière fois, c'était quand? C'était. La dernière fois que j'ai fait le tournoi, c'est je me tapais que des. Oh, fils de pute. Oh, je suis un connard.
J'ai pensé une banane devant moi et en fait j'ai atterri sur la banane. Oh, sur le live, le noob. Ah, je vous ai dit, je suis une brelle. Hein. Moi, c'est plus pour rigoler que vous venez regarder. Hein. En plus, ouais, la... tu finis quand dans tu les premiers. Quand tu as goûté au macroute de ma mère, je pense que tu risques de légèrement réviser. Non, mais plutôt, même, c'est pas ça le problème. En fait, déjà, tout ce qui est les dates de base, c'est un fric, j'ai du mal. Ah, c'est bon, je te vois. Ouais. Déjà, les dates de base, c'est un fruit que j'ai du mal, toi. J'ai beaucoup de mal avec tous les fruits, tu sais, genre les raisins secs et tous les fruits de ce type-là. J'ai beaucoup de mal. Et les dates, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Déjà, j'ai digère mal, de base. Oh mon petit race, comment. Bah. J'ai oublié de t'envoyer un petit MP pour dire qu'on faisait un tour d'asseoir. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Comment tu vas, mon petit Dras? Ah non, mais pas Mario. Pas truc Mario Kart là. Ah, juste pour vous faire chier. c'est un truc qui tourne en rond quoi. Mais c'était pour ça! Je mens! C'est affreux. Ah, mais j'ai gardé mes points donc ça c'est bon. Ah, mais dans ce cas jusqu'à la fin du tournoi tu gardes les points que t'as accumulés. Ah, cool. Parce que même tu peux. Des fois pendant ta course ça peut t'éjecter, des fois c'est par bug de serveur. Ouais, surtout les gros tournois genre Ponce, je sais que sur le tournoi je crois qu'il y a quasiment 1000 personnes qui viennent dans le tournoi. Donc ouais, ça peut arriver que ça crache le serveur, ils sont pas habitués à des personnes comme ça quoi. Mais voilà, j'ai pas de. J'ai pas prétention pour dire qu'on arrive jusqu'à là, mais au moins si on arrive à avoir régulièrement, tu sais, même 10 personnes, moi je suis content. Ouais, hein. Non, mais c'est pas. Un peu kiff. Allez, très bien. Non, bah je fais une banane. Super. Ouais. Attention, carapace bleu. Je me suis repris moi-même ma propre. Encore une fois ma propre verte. J'ai plus de pièges, j'en peux plus. Hop, tu mets tes pièces, toi. Putain, je me suis écrasé deux fois d'affilée, sérieux. Tu vois. Je suis en passe premier, c'est bon. Terminé, c'est bon, premier. Ouf. Ouais, Link toujours. Alors, comment ça s'est passé, le quiz? Alors, le quiz. Le quiz. Attends, j'ai mis sur Discord pour pas dire de conneries. Poto. Je vais pas dire de conneries, je vais te relire ce que j'ai posté sur Discord. Tac, 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 tac. Le récap du quiz. D'ailleurs, dans quelques jours, vous allez avoir un petit unboxing, les gars. Je pense que vous allez rigoler. Donc, le quiz. On a fini. La team a fini 6ème ex aequo. Avec la 5ème, donc 5ème, 6ème, on était ex aequo sur 10 équipes, donc on est arrivé au milieu du podium, donc c'est quand même pas mal. Enfin, au milieu du tournoi, donc c'est pas mal. Et pour ma part, j'ai fini 8ème. Et toute l'équipe, tous les la Wolfpack, on était dans les 25 premiers individuels, on était tous dans les 25 premiers individuels sur 70 personnes. Sachant qu'on était 5, 6, 7, on était 7. Marshall arrivait au plein milieu du tournoi du quiz, donc exactement à 40ème, donc on compte pas Marshall dedans. Mais toute la team Fenrir, Uni compris et compagnie, on est arrivé dans les 25 premiers. Donc c'est quand même pas mal. Et l'équipe complète au point, on arrivait à donc 6ème ex aequo avec la 5ème, donc 5ème entre guillemets quoi. Donc c'est pas mal. J'aurais besoin de toi mon petit Dras. Parce que tu vois là on est en train de faire un tournoi avec la commune. C'est un tournoi qu'on va faire tous les désolé Matituni. C'est un tournoi qu'on va faire tous les mardis. Donc est-ce que tu peux me faire un petit donc je prendrai toujours Link dans tous les cas, c'est mon personnage hein. Est-ce que tu peux me faire un petit une petite miniature? Parce que c'est une émission que tous les. En fait la VOD on va la poster tous les soit le lendemain soit dans la semaine quand tu auras le temps de faire une miniature. Mais est-ce que tu peux faire un petit truc? C'est l'émission s'appelle le LDS. L. Merde.
LSD, comme la drogue. LSDM pour le seum de Mario, le nom de l'émission. Ouais, j'avais pas mieux, je cherchais pas. Je croyais que c'était d'ambiance. Donc je sais pas si tu as la possibilité de me faire ça quand t'as le temps, mon petit race. Je sais que j'ai te connaissant, j'ai même pas besoin de demander, que je sais que tu dois déjà être en train de réfléchir à ton truc. Et mon petit race, comment ça s'est passé le boulot, pas trop crevant? C'est vrai que t'as un boulot qui est pas facile non plus. J'ai pris le mur, petit connard. Pourquoi je prends les murs? Le petit remix là, métal de Link, ça passe crème. Ouais. Bah, en fait, comme ça sera une vidéo individuelle, c'est à chaque fois. Donc ça sera, on va essayer de faire une miniature, un chouïa différente à chaque fois, toi, de par émission. Mais après, c'est une fois par semaine, donc. Donc si tu en offres quelques-unes d'avance, dans tous les cas j'aurai toujours Link comme je t'ai dit. C'est juste le véhicule qui va changer à chaque fois, mais toi voilà quoi. On profite en fait du fait qu'il y ait le pass combat là, le season pass qui est sorti, avec des nouveaux circuits, pour se remettre un peu sur du Mario Kart. Qui reste quand même littéralement un de nos jeux d'enfance quoi. Ouais. Là ça va comme intérim pour le moment, mission fait finie, attendre qu'il me rappelle. Pour le moment, retourner en espace vert en attendant. Mais là congé, donc tranquille. Ok. Ouais, tu vas pas te reposer un peu parce que la dernière fois tu me disais que t'es vraiment 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 crevé quoi. Ouais. Bah toutes les semaines, le mardi à 21h30. On fera cette émission toutes les semaines le mardi à 21h30. Il y a 16 courses et voilà. Et comme je disais, si tout va bien, j'ai peut-être un appart. Alors j'ai bien dit peut-être que comme c'est un truc social, il faut que ça passe en commission. Mais en gros, il me manque soit ma déclaration de chômage, ce que je n'ai pas vu que je travaille, soit une promesse d'embauche. Donc je suis en train de démarcher un peu les maisons de retraite là-bas pour avoir une promesse d'embauche. Et je puisse avoir l'appart quoi. Que si j'ai l'appart comme ça, je pourrais... directement me barrer très rapidement quoi. Comme j'ai dit, on va essayer de choper ça pour que je puisse donner ma dème. Le mieux si j'ai la validation comme quoi je peux avoir l'appart, j'ai mon ami qui est là-bas qui va pouvoir faire la visite de l'appartement. Elle s'est proposée de faire la visite de l'appartement pour moi. Et si l'appartement il n'y a pas de défaut entre guillemets, donc c'est à dire s'il n'y a pas de trou dans les murs, s'il y a une bonne isolation et s'il y a la fibre encore mieux, je verrouille l'appart, je le prends. Je leur dis juste que je prends que le mois prochain vu que faut le temps que je lâche celui-là. Et comme ça je donne ma dédite et tout et comme ça c'est bon quoi. Donc ça pourrait. Si j'arrive à avoir des promesses d'embauche rapidement, ça peut partir vite les gars. Fin mai ça se casse. En plus j'ai réussi à régler quelques soucis. Orange qui s'amuse à me prélever encore un an après avoir pu. Puis un second chez eux, ils continuent de me prélever, ils ont fumé les mecs. En mode, tiens, va pas gueuler les mecs. Ouais, t'as la chance que c'est que 20 balles ou 30 balles, parce que si c'était un peu plus, je m'en serais rendu compte avant, je t'aurais été glingué. Les fournisseurs de téléphone, certains, c'est vraiment des arnaqueurs. J'en peux plus, des mois je saute dans le trou. Oh, j'ai fait pareil tout à l'heure. C'est ça, ouais. Sachant que, tu sais, s'ils réfléchissent un minimum, ils verraient que ça fait. Que leur matériel, déjà, ils l'ont, déjà. Et que de deux, derrière, bah, ils ont déjà aussi le. Comment on peut ça? Ils ont déjà le matos, et en plus de ça, bah, ils voient quand même que le matos, c'est pas. C'est sur. Quand tu les appelles, ils te disent, c'est déconnecter votre box, rallumer là, ils le voient. C'est si elle est mise sous tension ou pas. Il voit que ça fait un an et demi qu'elle passe sous tension et que la ligne, maintenant c'est écrit Bouygues. Genre au bout d'un moment, faut peut-être réfléchir deux secondes des fournisseurs d'accès, toi. Que là, oui, foutage de gueule, tant qu'ils croient qu'on est à la type langue de France, c'est.
Quand je dis remorque, c'est des petites sommes, donc au moins je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Que comme c'était à l'époque mon ex qui s'occupait surtout de ça, de regarder ça, faire le point. Mais c'est vrai que je connais, tu sais, je sais que tous les mois il me reste tant à peu près à la fin du mois. Donc tu sais, je m'inquiète pas toi de ce genre de conneries, toi. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé, je fais ah d'accord, bah les gars, vous allez devoir me rembourser 470 euros. Hein, et oui, tout de suite. Donc là, je vais leur faire cracher 400 balles là, ils vont regarder ce qu'ils vont me donner. Parce qu'il faut qu'ils fassent leur calcul eux-mêmes. Et 400 balles, t'imagines, 400 balles plus les 300 balles de prime que j'ai là fin mai, ça me paye quasiment mon déménagement. Ah oui, et j'ai acheté un truc, les gars, vous avez rigolé. Vous avez foutu de ma gueule. Déjà, là, j'avais déjà contacté il y a 2 mois. Orange, et il y a 2 mois, donc la gonzesse, j'ai le mail de la meuf qui disait je m'occupe de faire la démarche de, déjà pour aujourd'hui, il y a 2 mois, de l'annuler, de couper la machin, pas de problème. Donc déjà, de base, ils sont obligés légalement de me rembourser au moins il y a 2 mois, le mois dernier et ce mois-ci, parce qu'ils m'ont prélevé ce mois-ci, ces bâtards. Donc ça fait 3 fois 36 euros, donc ça fait quand même 100 balles, 116 euros déjà. Donc déjà, à minimum, ils sont obligés de faire ça. Après, derrière, tu sais à quel point ils peuvent magouiller en disant « Ah, on n'a pas reçu votre papier résiliation » ou des trucs dans le genre. Oui, oui. Voilà, quoi. S'ils veulent faire chier, ils font chier, quoi. Que si, parce que, honnêtement, j'ai absolument pas envie de recontacter mon ex juste pour lui demander « Est-ce que t'as encore le bon de la lettre recommandée que t'as envoyée à Orange et tout ?» Tu vois ? Donc, voilà, quoi. Que tu permets. Ouais, parce que par contre, si je retrouve ce truc-là, moi je peux passer par un huissier et leur faire cracher beaucoup plus. Pour vente forcée. Oui, bah oui. Que c'est la vente forcée. Les magouilles comme ça, ça peut passer en vente forcée. Hein. Ils sont, oui. Tous les fournisseurs d'accès sont très souvent au tribunal pour ce genre de manigance. Hein. C'est pas moi, mais putain, il est pas assez loin de toi, mon pauvre. Ah ouais? Là, c'est moi, par contre. Ouais. Je voulais viser la villageoise, mais... Et où c'est, villageois? Souvent, les villageois, ils cassent les couilles dans le jeu. Ils sont souvent très doués, j'ai l'impression, les villageois. C'est que dans ce jeu-là. Ouais, non, c'est vrai, en plus que tu prends. Là, je vais voir, il y a pas longtemps. Bah, c'est quoi, il y a 2-3 jours. À la fin du quiz, on avait fait un tournoi avec les. La streameuse qui avait organisé le quiz. Et littéralement, les mecs étaient. C'est toujours un villageois qui nous foutait une branlée. Enfin, une branlée, ouais. Façon de parler, mais tu sais, ils nous faisaient assez mal, quoi. Ouais, enfin, même dans Smash Bros, tu vois, le villageois est chaud. Mais il y a un passage par en dessous, attention, carapace bleue. L'autre, elle m'a doublé juste au moment où la carapace arrivait, je peux me battre nickel. Il y avait des champignons qui traînent. J'ai vu, j'ai essayé d'en prendre un, mais je me suis foiré. J'en ai pris un, j'ai pris un mur juste après. Oh, c'est assez con. Ah non! S'il vous plaît. C'est vrai que si, par exemple, si t'as les 10 pièces, t'as une accélération accrue. Ouais. Ouais, j'ai appris ça récemment. Donc voilà. Donc déjà minimum ils sont obligés de me rembourser 100 balles. Derrière j'ai de base, bah, en plus cette année ils nous ont annoncé soi-disant qu'on va avoir presque 1000 balles de prime parce que la boîte soi-disant a eu un bon retour sur le, parce qu'ils sont cotés en bourse, soit. Donc on va avoir quasiment presque 1000 euros d'intéressement. Donc ça c'est cool, mais par contre on a toujours rien, quoi. C'est sur les feuilles de sur le site qui nous permet de récupérer les sous, on a toujours rien.
que t'imagines 1000 balles plus les 300 balles que j'ai déjà de côté et le... Enfin, pareil en prime et bah, peut-être le truc d'orange, bah en fait ça me fait quasiment un 13e mois. Ça fait qu'au moins, je peux me prendre un mois, c'est le mois où j'aurai pas de chômage par exemple, si je veux rester chez moi pour m'installer tranquillement, bah je me dis je suis pas dans la merde, toi. Donc je peux arriver, prendre mon petit mois de vacances et m'installer. Donc ça c'est cool. Bah pareil, je suis tout seul là de mon côté. Ouais, bah... Chut. Est-ce que ça va se lancer toi de ton côté si t'es tout seul? T'es tout seul toi ou pas? Non, moi je suis avec... Avec Uni? Ouais. Bah tu sais quoi, je vais quitter, je relance. Uni nous avait quitté tout à l'heure. Ouais, je relance le truc. Participer, oui. Je serai en spec, mais au moins... Je suis le premier sur ma course. C'est vrai qu'il faudrait minimum qu'on soit 4 ou 5 pour qu'on soit obligatoirement avec ces deux dans la deuxième groupe, quoi. J'ai même pas vu à quelle course c'était. Quand on était 8ème là. Ok, ouais, on est à la moitié. Ça va, 8ème et les gars, y'a pas encore trop de rage. Hein. 8ème, y'a pas trop de rage encore. Mais en même temps, parce qu'on sait qu'on. Non, c'est bon. Je vais te faire manger. Non, c'est bon, ça marche. Alors, trouvons le petit Yoshi. Alors, la petite. La petite harmonie, elle est où déjà? Où est-ce qu'elle est cachée? C'est plus une harmonie, je crois que c'est un villageois maintenant. Ah, c'est la villageoise! Non! Alors, attends, elle a dit qu'elle en chip pour tourner à gauche, alors ça peut être plutôt Harmonie, mais en, pas Harmonie, mais des, comment ça s'appelle la... Oui, Daisy, la deuxième princesse. Ouais, Daisy, ouais. Parce qu'il y a une Daisy que je vois, en moto, et je vois qu'elle s'est pris un mur en tournant à gauche, donc... Attends, Daisy, Bowser, Mario, bébé, Toadette, Mario, Bowser, Iggy, Squelettec... Mais... Ah non, sinon c'est bon. Splatoon. Ah, c'est Splatoon. Ah, elle a pris la meuf de Splatoon. Eh, elle gère quand même, elle fait des petits dérapages et tout. Ouais, par contre, ouais, ça se voit qu'à. En fait, les virages basiques tournent à droite à gauche, elle a un peu plus de mal. En fait, si elle a pas le temps de faire son dérapage, elle se tape obligatoirement le mur, quoi, la pauvre. Ouais, non, moi, j'ai l'habitude de jouer en 50, mais putain, pas la même vitesse. Ah, bah, j'ai mis 150 exprès pour que ça soit un peu plus rigolo, quoi. Plus sachant que de base moi je roule en 100 pour me balader c'est sur les circuits donc Ah voilà je vais mourir. Bah vas-y je prends tout. Ah juste à la fin. Ah non c'est la deuxième tour. Non ça va c'est le deuxième tour. J'ai pas de. Putain. Objet j'en ai marre. Elle a pas fini. Ah, en plus, elle a pire pour elle. Elle a chopé le. Elle a échoppé le. Bon, c'est elle qui vient, non, c'est elle qui vient te balancer à foudre. C'est Uni qui te l'a balancé. Elle a échoppé, tu sais, le champignon doré. Donc, la pauvre qui a du mal à tourner, c'était la misère pour elle. Elle s'est pris le mur. Ouais, non, c'est pire. Donc, déjà, un gros big up, les gars. Mettez un maximum de love. Vous savez, pour tous les subs, vous avez l'emote avec le cœur. Ou les yeux qui ont forme de cœur. Vous en avez deux, en fait. Vous avez les yeux en forme de cœur et la main qui fait love. Mettez un maximum de love, les gars, pour remercier déjà la tata Uni pour son emote de loup, qui est juste magnifique. Donc, spammez-moi de love là, dans le chat, les gars. Donc, un gros big up à elle. T'es premier, je passe sixième, je passe un peu plus. Là-bas. Moi, je suis pas premier, moi, je suis pas là. Bah oui, mais je passe sixième. J'en ai marre. Oh, et je viens de passer affilié hier. Ah, GG! GG à toi. Merci. Les gars, j'ai dit spammer de love, j'ai pas dit mettez un vent sur le chat. Les gars, vous êtes là ou pas? Y'a du monde? Y'a quelqu'un qui est là? Qui irait... Vous dormez? Inoku? Montidras? Carletto? Marshall? Vous avez pas des petites emotes de cœur ou de trucs comme ça? Ah, merci Dodo. Je sens.
Ah, t'as vu l'émote là qu'elle nous a fait, le petit loup avec les traits rouges là, il est magnifique quoi. Le loup est sympa, ouais, effectivement. En plus, en gif, elle a fait l'animation et tout, hein. Ah oui, effectivement. Donc voilà, et que demander mieux pour représenter la meute qu'un loup qui gueule. Et moi j'ai fait celui-là. J'ai juste mis en mode automatique sur... Tu sais, t'as des gifs automatiques. Donc comme j'ai dit à l'émote de mon perso vénère, j'ai mis, gif automatique en tremblement. Ça fait ça. Ok. On dirait qu'il va exploser le personnage. Et comme j'ai eu le record de la chaîne, c'est 75 subs. Au mois de mai dernier. Donc on a débloqué en fait tout ce qui est possible de débloquer quand t'es affilié. Ah ouais. Donc on a tout, on a les le maximum d'émotes possible et les 5 emplacements de d'émotes animés. Ok. Oui, parce que je crois que de base tu peux en avoir que 5, c'est ça de... Tu commences avec 3 ou 4 émotes et après tous les quasiment tous les 10 et tous les 5 ou tous les 10 sub au maximum, hein, ton niveau max. Tous les 5 ou 10 sub max, tu chopes un. Tu peux avoir un nouvel emplacement. Ok. Je crois que le premier c'est après, genre. C'est... Ah putain, la bleue de merde. Genre c'est 5, après c'est 15, après c'est 25 et 45, 35, 45. En gros, ça monte comme ça, quoi, petit à petit. Ouais, bien sûr. Puis après, jusqu'à ce que tu sois. Bah, le max, comme je dis, le max que nous on a pu avoir, c'était à 75. Là, après, on peut pas avoir au-dessus, c'est écrit devenir pro. Ouais, c'est ça. Je crois que pro, au max, tu peux aller jusqu'à quasiment 20 émotes. Mais honnêtement, déjà que là, celle que j'arrive déjà à pas savoir quoi en mettre. Après, il y a certaines, je pense que ça peut être surtout des jokes, c'est privé de jokes. On pourrait mettre limite des privés de jokes, toi, pour la commu, quoi. Mais après, c'est vrai que la base, c'est la base est pas mal. On a l'émote en mode vénère, on a l'émote bon, enfin le petit personnage qui fait bonjour. Plus maintenant en plus il y a les émotes de follow aussi. Les followers peuvent avoir des émoticônes. Ah ouais. Ils sont pas obligés d'être sub, donc genre si on arrive à avoir un bon truc. Ah juste follower tu peux. Ouais, les followers pour avoir des trucs. Donc genre tu peux prendre par exemple ton bonjour, ton mode vénère, what the fuck, tu mets, tu sais, genre des follow. Ouais, tu les mets pour les followers. Tu mets des trucs un peu plus jolis ou un peu plus spécifiques pour les subs. Les mecs derrière, genre t'as même pas besoin de passer pro pour les émoticônes compris, hein, je parle juste pour les emotes. Hein. Ouais, bien sûr. Qu'après, moi c'est surtout l'avantage de pouvoir avoir le choix de la qualité pour ceux qui ont pas une grosse connexion. C'est tout ce qu'il y a derrière, moi qui m'intéresse. Hein. Ouais, honnêtement, moi, si demain on me dit tu peux gagner ta vie grâce à ta passion, moi je signe direct. Hein. Moi c'est ce que je disais, je passe. Pas s'affilier, mais c'est plus pour le principe de pouvoir avoir les points de chaîne, etc. etc. quoi. Mais si tu veux, je t'enverrai un truc qui permet, comme tu as pu voir là sur ma chaîne, quand tu vas dans les points de chaîne, tu offres certains, tu actives certains trucs, ça va passer une animation sur le stream. Ok, ouais. Donc, tu sais, une gif, un son et compagnie, toi. Et j'enverrai le lien si tu veux, parce que c'est un truc. C'est un streamer d'ailleurs qui a créé ces logiciels. Ok. Mais c'est déjà, faut que j'arrive à maîtriser un peu mieux le Streamlabs, etc. Parce que mettre les émoticônes, etc. sur le. Bah, les points de chaîne, après, c'est directement sur Twitch. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Ah, c'est bon, on avait une uni s'envoler. Oui, on avait une uni s'envoler. Il s'envole. Mais non, oui, mais tu sais, parce que t'as les emotes, toi, quand t'as des mecs qui mettent les emotes. Comment? Merde, ça les met sur ton. T'inquiète pas, tout c'est. J'arrête, j'en peux plus, je vais éclater contre toi. T'inquiète pas, c'est super gentil en tout cas d'être là, Uni. Tu vois la rage en fait, c'est ceux qui parlent pas. Attends, oui, mais RH, mais seulement pour problème technique. C'est pas pareil. Oui, après c'est pas pareil. En plus, elle est venue exprès, malgré ses problèmes, elle est venue exprès pour être sûr qu'on puisse lancer le tournoi. Parce que là, regarde, tu te rappelles la semaine dernière, clairement le stream a duré 20 minutes parce que je pétais un câble. Hein. Parce que j'avais invité quasiment une dizaine de personnes, zéro personne sont venues, donc ça fout les boules quoi. Ça, ils veulent pas, ils disent directement non, toi, mais va pas me dire oui pour après derrière on t'attend, on t'attend et je vais streamer sur un autre truc qui a rien à voir, toi. Regarde, j'ai failli descendre la montagne d'un coup. Mais non, mais oui, c'est sûr.
Ou alors, enfin, même si t'es pas là forcément à l'heure, au moins tu connais un peu, quoi. Ouais, parce qu'en plus, personne, genre, trois quarts d'heure encore avant, tu sais, le temps que je fasse à manger, me disait, ouais, pas de problème et tout, et hop, dans son stream sur genre Warzone, machin et tout. D'accord. C'est Chrétien ce soir, Warzone en équipe. D'accord. Bon, et ben, je vous rappellerai pas, hein. Ah, bah écoute. Mais bon. Il a appelé Marlin. Je sais pas si là le jeu ou pas. Je sais pas. Ouais, que pareil, je voulais au départ peut-être demander à Paquet, parce que comme c'est le mardi, Paquet stream le mardi, on a pu faire ouais, un truc spécial, toi. Paquet, je crois pas qu'il a la Switch. Justement, tu sais, j'aurais pu lui demander pour savoir s'il l'avoue pas, toi. Ouais, bah bon. Ouais. Ouais. D'ailleurs, l'appartement que j'ai trouvé, on est à 10 minutes chez Gats. Ah ouais. Ouais. Et du coup, tu redéménages plus au Canada? Alors, ben non, parce que Canada s'est bloqué pendant 1 an et demi, 2 ans. Encore ? Ouais, parce que là, c'est carrément le... En gros, pour eux, c'est à cause de l'immigration qu'il y a encore des cas chez eux. Ah ouais, ok. Donc, voilà. À part pour ceux qui viennent que en temporaire pour donner un coup de main, entre guillemets, ils peuvent y aller. Mais pour les résidences permanentes, eh ben, ils prennent plus pour l'instant pendant 1 an et demi à 2 ans. Donc, en gros, ils m'ont dit, bah, j'ai reçu des papiers du consulat, hein, tu sais, qui m'ont envoyé par mail. Ouais, ouais, bien sûr. Et ils m'ont dit carrément en mode, ben, faut attendre, ou soit vous annulez votre demande, soit on la fige le temps de régler les problèmes de sanitaire, quoi. Attention, carapace rouge, ma bleu. Non, non, j'ai foiré. Dis ta mère, j'avais un. Mmh. J'avais le klaxon, j'ai foiré mon klaxon. Mmh. Boum, boum, boum. Attends, j'ai fini. Donc voilà, et clairement, de base, comme j'ai toujours dit aux filles, à tout le monde sur le live, c'est que clairement, le pire pour moi, c'était pendant un an entier, vous avez vu, pendant un an, j'ai streamé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sur mes repos, je streamais tous les jours, justement parce que pendant un an, j'ai mis tout ce que je pouvais de côté parce que ça coûtait plus de 4000 euros quasiment mon déménagement à l'étranger. Donc pendant un an, j'ai mis de côté. L'année dernière, on me dit, bah c'est repoussé d'un an et demi à deux ans. Donc déjà, je commence à péter une dérite parce que pendant un an, je suis pas sorti. Pas une sortie, pas de cinéma, pas de resto, rien du tout. Même tout seul, tu vois, vraiment aucune sortie, justement pour mettre le maximum de côté. Là, j'ai dit, cette année, faut que je me casse. Il faut qu'au moins je change de région et tout. Je sais Mimou où il habite, je sais où Dras habite. Je connais à peu près là où tous mes poteaux sont à peu près, c'est les régions. Mmh. Clairement, là, toi, pour moi, le mieux, c'était vers Cherbourg. Que Cherbourg, bah, il y a Tonton Gats, il y a Mimio qui a 1 heure de Cherbourg, il y a El Capet qui est à Cherbourg même, Inoku qui est un peu plus dans le nord, bah, il est pareil à 2 heures. Genre, clairement, en allant en Bretagne, j'avais quasiment tout le monde autour, quoi. De toute façon, en général, t'as tout le monde en Bretagne maintenant. Ouais, mais pas obligatoirement. Après, c'est si tes potes, c'est que des potes de boulot et tout que tu connais que sur Lyon. Ah oui, non, non, ah. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont en Bretagne. Et voilà quoi. Et bon, attends, mais il y a un truc de fou, poto. Pourtant, j'habite à côté de Saint-Etienne. Pas Saint-Etienne même, hein, vraiment à côté de Saint-Etienne. Une bourgade, genre, clairement, c'est pas la plus connue et c'est un petit truc. Dans un petit truc de merde, tu t'attends à ce que les loyers sont pas excessivement chers, toi. Genre tu vas à Lyon même c'est genre 800 balles pour un 2 mètres carrés, toi. Un truc qui va pas. Ah, mais... Pour un 2 mètres carrés. Un peu comme Paris, Marseille, toi, c'est les villes très oui, bah, abusées, quoi. Tu sais, oh. Moi j'habite à NT, donc c'est abusé aussi. Ouais, oui, bah oui, c'est vrai. Hein. Et là... On s'en fait d'ailleurs, tu m'as pas dit que Thomas t'a invité à la Rochette Pro. Ah, c'était une invitation. En fait, il m'a dit il a un billet, et si on veut y aller avec lui dimanche, un peu comme ça. Sans cliquer pour l'invitation. Il est venu vers moi, il m'a dit oh, j'ai parlé à Antoine par rapport à la Rochette Pro, c'est cette semaine. Il a dit non, c'est bien. Ouais, parti. Ah oui, mais on peut y aller. Non, mais tu m'en as même pas parlé. Alors que dans la voiture, on avait eu la conversation, donc quoi, je t'ai dit, je crois que c'est la Roche Expo, et toi, tu m'as dit, mais c'est en fin d'année. Ah, écoute, désolé. Désolé. Je sais. Je savais que c'était. J'ai vu ça sur mon téléphone. Tu m'as sauvé le doute. Sorry. Vous-y.
J'ai jamais contredire une femme. C'est ça. Oh merde, putain, j'ai cru que c'était la fin de la partie. J'allais dire, oh, putain, trop bien, troisième. Non. Qu'est-ce que j'étais en train de dire au départ? Que oui, mais en fait, mine de rien, t'as pas si longtemps que de chemin, du coup. Ben, moi, oui, parce que moi, je suis vers Saint-Etienne, je suis à 10 minutes de Saint-Etienne. Et à 30 minutes de Lyon. Ouais, bah, je suis à. Oui, tant que. Mais je connais ta ville, t'inquiète pas. J'y suis déjà allé plusieurs fois. C'est bah... connu quand même dans la région. Assez, effectivement. Et truc, en fait, donc, je, par exemple, vers chez moi, je suis dans un T2. Ouais. Donc j'ai une seule chambre, 50 mètres carrés, je paye 380 euros. En logement social. Ouais. Logement social. Là-bas, un T2, 50 mètres carrés, tu sais combien il est? Combien? 230 euros. Ouais, non, c'est vrai. J'ai regardé, j'ai même trouvé. Alors honnêtement, il y a un truc que j'ai pas compris. 80 mètres carrés, un T8. T'as 8 pièces qui font 10 mètres carrés? Y'a un truc qui va pas là dans leur truc là. Comment tu peux avoir un T8 avec 4 mètres carrés? T'as pas de cuisine. T'as pas de cuisine. Je suis encore tout seul. Non mais c'est clair. J'ai relancé ton up. Enfin j'ai relancé ton. J'ai relancé la recherche parce que je suis en solo encore. Donc voilà, et en gros là j'ai vu un. T'as déco reco ou pas? Non, ça m'a déco tout seul. Ah bah vas-y, j'ai relancé donc je t'attends. Je retrouve le code. T'as pas besoin, une fois que tu as mis le code une fois, tu peux lancer direct. Hein. Ah bon? Ouais? Bon. Ah si, c'est bon là. Faut avoir mis au moins le code une seule fois pour qu'elle soit enregistrée dedans. Ok, ok. Hop là. Et en gros, le truc. Attends, dépose sur le chat. Et en gros, le truc. Bah là, en fait, je suis en train de regarder. Tu sais, j'aimerais bien au moins un T3. Donc deux pièces. Comme ça, je pourrais faire une chambre 100% gaming. L'enregistrement, je pourrais mettre, tu sais, des mousses isolantes au mur et tout. Pour essayer de faire dire, au moins un effet décor. Et en plus de ça, pour les voisins. Ouais, bien sûr. Et avoir surtout deux pièces de vie. Tu sais, une chambre qui sera 100% chambre. Vie privée, entre guillemets. Un salon, pareil, 100% salon, vie privée. Et ma pièce, entre guillemets, en mode, tu sais, là, j'y vais seulement pour enregistrer le gaming, le truc, un peu comme le boulot, toi, tu sais, tu vois ton boulot, quoi. Ouais, bien sûr. Pour pas tout mélanger, comme ça, si y a des amis qui viennent à la maison, ils seront pas mélangés, ils seront pas dans les fils électriques, les trucs comme ça, tu sais, de tournage, quoi. Donc, pour l'instant, je vais pas faire le difficile, déjà. Dès que le premier appartement qu'il me propose, s'il est potable, j'ai dit à ma collègue qui va faire les visites pour moi. Il est potable l'appartement. À partir du moment où il a une bonne isolation et si en plus il a la fibre, j'ai dit je prendrai direct. Genre, au moins ça fera toujours un pied à terre. Je pourrais faire mon déménagement. Je connaissais pas ce que tu viens de faire là. Bah c'est pas forcément une bonne idée parce que du coup j'ai fini dans l'eau. Ah ouais. Parce qu'il faut peut-être avoir un boost avant, c'est ça? Non, je pense que j'ai utilisé mon boost trop tard, je pense. Ou trop tôt. Non, parce que en fait le boost était. Ouais, pourquoi tu tires en arrière? Bah pas toi. Oh j'ai eu en plein virage. Donc ouais, donc bah si tout va bien, bah, j'aurai peut-être un appartement. Et il me reste plus qu'à attendre en fait maintenant. Là j'ai contacté, comme je dis, ouais, il y a quasiment 3 maisons de retraite autour de là où je vais déménager. Donc j'essaie de leur envoyer un petit mail pour voir s'il y a des postes à pourvoir. Et s'il y a des postes à pourvoir, est-ce qu'ils peuvent me faire une... est-ce que déjà mon profil les intéresse? Comme j'ai quand même 11 ans d'ancienneté en travaillant, donc c'est quand même intéressant. Parce qu'il y a moins en moins de soignants en France, donc... mec qu'ils n'ont pas besoin de former, c'est quand même le plus intéressant. Hein. Et en plus de ça, bah, comme ça, moi je vais voir si ça les intéresse et leur demander s'ils peuvent me faire un papier de promesse d'embauche. Comme ça, hop, je peux prendre l'appartement en priorité et... comme une mutation de ces rapprochements de lieu de travail, toi. Et comme ça, moi, hop, je me casse après et on fait les papiers, on se casse et voilà, quoi. Il y a juste pendant le premier mois, donc le mois de juin, qui est le mois où je veux déménager, qui va être un choix plus compliqué parce que, pareil, il y aura moins de stream, il y aura moins de trucs. Pour ça, j'aimerais bien pouvoir enregistrer, tu sais, comme je dis, tous les conneries, genre Mario et tout, les let's play de Mario et tout, comme ça, moi, je pourrais les uploader
c'est comme ça pendant, enfin je les upload en avance, je les programme et avec mon téléphone, c'est, je pourrais vérifier que tout va bien sur les programmes en attendant toi. Ouais, mais vu que je pourrais pas enregistrer, ça évitera d'avoir, tu sais, l'impression d'avoir la la chaîne morte. Ouais, mais bah, de toute façon après t'as toujours deux semaines un peu mort quoi quand tu déménages. Après, d'après ce que j'ai compris, Bouygues, celui que j'ai moi, la box, j'ai pas obligé de la ramener en boutique et d'en prendre une autre là-bas. Okay. Si là-bas c'est en fibre, en gros, le jour où je viens, j'appelle, je leur dis, genre, bah, par exemple, je vais arriver à telle heure à peu près, et ben, genre, soit le soir, soit le lendemain matin, il peut y avoir un mec qui vient brancher la fibre. Et j'aurais juste besoin de rebrancher ma box. Ok. En gros, par internet, ils font directement le changement d'adresse. Dès que j'aurai mon certificat d'adresse, bien évidemment, ils font directement un changement d'adresse, ou alors ils m'ont dit, comme ils ont quand même des box en boutique, soit vous le ramenez et vous allez directement à la boutique là-bas, nous on envoie un mail par exemple à la boutique, ils me donnent eux un nom de boutique, on vous remet là-bas et comme ça eux ils prévoient déjà une box pour vous, ou alors dans l'autre sens, vous gardez votre box, on fait juste le changement d'adresse et voilà, après il y aura un mec qui viendra vous installer le truc là-bas quoi. Ok, ok. Ils vont vite chez Bouygues. Ouais, honnêtement, comparé d'autres, j'ai pas trop à me plaindre. Pareil, au téléphone. Ils attendent 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Au téléphone, j'ai essayé de leur expliquer un peu le fait que je me suis séparé, donc est-ce qu'il faudrait qu'on sépare les lignes de mon ex et de moi qui sont de même choix. Il fait est-ce que vous pouvez voir avec madame Intel qu'elle vous appelle. Je fais c'est un peu compliqué parce qu'on s'est pas séparé dans les meilleurs termes. D'accord. Alors, honnêtement. On va pas se faire chier. Je note que vous avez son aval, on sépare les lignes, comme ça. Je fais dans le cas, c'est soit vous mettez tout sur sa facturelle. Et il a fait, je vais mettre, en gros, vous parlez pour elle, donc c'est bon, on sépare les contrats parce que. Voilà, quoi. C'est bien parce que certains, ils ont dit, ouais, mais il faut absolument qu'il appelle, contactez-la. Vous savez, pour l'instant, le service client, c'est ceux qui m'ont moins emmerdé. Pour une fois, genre, le pire, je crois que dans tous les fournisseurs d'accès, ceux avec qui j'ai eu plus en merde, enfin d'en parler, mais vraiment, les mecs qui sautaient vraiment de ta gueule, c'était SFR. Ouais, bah, c'est eux, je crois que c'était les pires. Plus jamais, j'ai dit, plus jamais je retourne chez SFR. En plus, Gats m'a dit que lui, vers chez lui, ils viennent de mettre la fibre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a très... Putain, il y avait double rouge, les bâtards. Moi. Donc il y a très forte chance que je puisse avoir la fibre aussi dans mon appart quoi. Ouais bah oui. Je te retourne quand même petit con. Oui mais j'ai trois pièces. J'ai 3 aussi hein. Ah ouais. Ah putain nique ta mère. Ah t'es passé. J'hésitais à passer. Ah j'ai pas le boost par contre. Ah non. Okay. Une pièce. Oh, chaud, là. Ah, j'essaie de te viser quand même, hein, puis avec la putain. Oh, c'est pour moi. Je crois que c'est pour moi. Hein. Oh oui. Oh, putain non mais j'avais ma banane. Attends, tu rigoles. Le pire c'est que elle a pris la bosse. Elle s'est envolée le truc au départ. Attention. Non, il a toujours un feu. Arrête de me pousser. J'étais premier, je passe 5ème. Ah, j'étais premier, hein. Cherche pas. J'ai tout pris. On dirait moi dans le dernier tournoi, genre j'étais premier, j'ai pris 2 bleus quasiment d'affilée. Et genre 4 ou 5 rouges, je suis passé de premier à quasiment dernier. Ah ok, ça passe pas. Ça, là je crois que je suis un peu large quand même. Hein, parce qu'on, sur la distance là. En doute, je prends quand même le petit boost de vitesse pour être surpassé. Nickel. J'ai vu, nickel poteau. Ce sera la base pour ensuite modifier. Ok, bah nickel, merci beaucoup poteau. Surtout que t'as pas besoin d'écrire de trucs dessus, poteau. Comme c'est une émission différente, enfin, ce sera toujours un tournoi ouais. Avec la communauté. Comme à chaque fois, les circuits, c'est des circuits aléatoires, donc on n'aura pas de circuit type à mettre.
Et voilà quoi, et en plus ça sera juste des, comme je dis, des petites modifications pour que ça, les médias se ressemblent pas trop quoi. Mais nickel Chrome poteau. Juste rajouter 1 et 2, 3, 4, 5, 6. Non, non, mais justement, il n'y a pas besoin de mettre de numéro. Moi, dans le titre, je mettrais c'est genre 1 pour dire bah, c'est la première émission. Je mettrais 2, 3, 4 comme un let's play, 7, 3, 4 et tout. Pour ça, ceux qui se rappellent, bah tiens, j'ai participé à la 5ème émission, bah, hop, ils vont à la 5ème émission, ils vont à la vidéo numéro 5, et voilà. Oh non. J'avais mis aléatoire. Non, celui-ci. Par pitié. Ah, j'ai les 200 points, je suis content. J'ai les 200 points. On est à combien? L'avant-dernière. 15ème. Pour moi, 15ème, toi, c'est quoi? 14. Ouais, c'est-à-dire que t'auras une course après. Ouh, putain, t'as une course après, mais est-ce qu'elle va passer la course? Parce que comme il n'y a pas d'autres joueurs, je sais pas si ça va la lancer avec les bots. Oh putain, sérieux. Chat. Putain, mais sérieux, je me prends ma propre bombe. C'est bon. J'ai balancé une bombe devant moi exprès pour essayer d'endormir les mecs qui étaient devant moi. Putain, j'ai la bombe, j'ai pris vraiment le dernier pixel de dégâts quoi. Tu l'as vu la vidéo où un gars allait être premier et se prend Carapace Buzz bleu, puis sur Carapace. Et juste, c'est fini dernier. Je l'ai eu il y a une semaine au tournoi, je l'ai eu ça pour toi. Donc t'inquiète pas, je connais, ouais, j'ai vécu. Ça, tu l'as tellement de fois, je crois qu'il y a plein de fois où t'as. Enfin, ça va assez rare quand même, j'ai pas eu trop de fois, je crois que c'est la première fois vraiment où vraiment c'était du harcèlement là, messieurs dames. C'était vraiment du harcèlement là. Mais moi, je crois que je l'ai déjà vu plusieurs fois, enfin, genre quand t'as les Zerator, etc., qui font leur sem sur Mario Kart, le nombre de fois où ça leur arrive quoi. Ah si, un truc qui va arriver normalement bah, dans là, soit au mois de mai, soit au mois de juin, c'est Roller Champion. Roller Champion sortirait enfin là avant l'été. Soit d'ici fin mai. C'est le Rocket League. C'est Rocket League mais en roller derby. Ouais, effectivement. Et qui est free to play, évidemment. Et en gros, le jeu qui est 100% fait pour l'e-sport, clairement, qu'on soit d'accord. Il est vraiment fait pour l'e-sport, quoi. Et en gros, là, il sortirait là mai, juin. Donc, on va littéralement se mettre à fond dessus, je pense. Pour développer notre équipe déjà et avoir un bon truc parce que genre le jeu il mérite putain mais vous m'emmerdez putain je me suis pris une carapace verte. La connasse elle est venue me rentrer dedans avec ses carapaces vertes de merde là. C'est comme ça qu'il faut utiliser une trois carapaces. Je t'emmerde. Je suis sûr que c'était toi. Non mais quoi? Moi c'était la. La bombe qui t'a pas vu en sous la tête. Y'a une touche pour passer, tu sais, pour switcher d'icône ou pas? De quoi? C'est genre, tu veux utiliser l'icône 2 avant l'icône 1 par exemple? Ah, tu veux dire l'objet 2? Ouais, quand t'as deux objets, ouais. Non, je crois pas.
C'était dans Double Dash ou quoi? Ouais, je me rappelle quand t'avais genre Luigi derrière toi et toi t'étais Mario. Ouais, c'est... T'échangeais avec ton pote. Par contre, tu pouvais avoir une accumulation d'objets, mais c'était overpété. Hein. Bah, c'était le meilleur. C'est marrant, bah, c'est hyper marrant. Oh mais non, mais Peach. Non. Mais comment ça, les gens ils vont plus que moi ce moment-là? En plus, d'ici ce week-end, je vais vous faire un unboxing, les gars. J'hésite à le faire. Soit je le fais en stream, soit je le fais hors stream, mais vous allez, je crois que vous allez foutre de ma gueule. J'ai fait l'achat peut-être le plus teubé du monde, mais je vais pouvoir m'en servir littéralement comme pour survivre après mon déménagement, quoi. Essayez de deviner quel est le truc le plus teubé qui peut exister. Que j'ai pu acheter et qui pourrait servir après, pendant un déménagement. Comment ça s'appelle un truc. Une espèce de gazinière. Non, un truc qui a un rapport un peu avec le gaming. Enfin, okay. Qui a un rapport entre guillemets, j'ai bien dit. Et qui va servir après le déménagement. Moi, je sais que ça peut m'être utile. Une fois que j'aurai déménagé. En fait, pour t'expliquer, quand j'éménage, je ne prends rien. Je prends juste mes écrans, mon PC, tout le matos informatique, mes consoles, tout ce qui rentre dans la voiture. Je vais blinder la voiture avec tout mon matos. Et c'est tout, en fait. Parce que, clairement, on a calculé avec mon père les déménageurs ou même prendre une camionnette et tout. Ça me coûte genre 15 fois trop cher de l'amener, d'amener mon matos là-bas. Ouais, bah je vois, effectivement. Un sac de couchage. Un rapport avec le gaming. Ah bah, c'est de couchage gaming. Non. Est-ce que t'as ta dernière course ou pas? Attends, faut que je voie. Là, j'ai eu le droit de choisir mon circuit. Et t'es tout seul, mon pauvre. Ouais. Ouais. Parce que moi, ça m'a éjecté vu que... Est-ce que je peux faire dire ouais. Je peux faire participer ou pas? Vous avez terminé le nombre de courses, désormais vos résultats ne seront plus cassés. Continuez malgré tout. Oui. Oui, ah voilà, je vais trop jeune pour la dernière course. Ah. Ça sera pas dans mon classement. Même si je gagne, j'aurai pas des points en plus dans le classement, mais au moins je pourrais t'aider à finir ta course, quoi. Ouais, c'est bon. Non. Tu veux faire laquelle? Un conseil pour finir? Comment? Ah non, t'as mis Glegla. Ah non, par contre. J'ai commandé. Pitié. J'ai commandé le mini frigo Xbox. Ah. Parce que littéralement, moi, j'ai pas de. Bah, comme je dis, j'aurais pas de frigo. Donc, je me suis dit juste un truc. Avec le mini frigo qui est branché en USB, donc je peux le brancher avec un. Tu sais, un poulpe, un multi-plug USB. Je peux le brancher et tout. Et le truc qui est cool, surtout, c'est que si au moins dans le frigo, je peux foutre un sauciflard et des canettes de coca, je peux survivre un mois, toi. Non, bah, c'est clair. Au moins, jusqu'à acheter un nouveau truc, toi. Ça me pourra toujours faire un point frais le temps de mettre. C'est le temps pour acheter un vrai frigo, toi. Donc, je vous ferai l'ouverture, si tout va bien, dans 2-3 jours, de du mini frigo Xbox, quoi. Voilà. Et pour avoir vraiment le troll qui est devenu réalité. Là, il a mis comme quoi il était de retour disponible chez Micromania. Donc, j'ai commandé. En plus, c'est bien parce que le truc vaut 100 balles, mais tu sais, Micromania permet d'acheter avec PayPal en 4 fois. Ça fait 25 balles, ça me ruine même pas. Donc, que demander mieux pour moi. Hein. Et en plus, ça peut être utile, comme je dis, voilà. Après, derrière, même pour pendant les lives, ça me permettra toujours mettre des canettes ou des trucs comme ça. Comme ça, quand vous mettez le hydrate-toi, j'aurais plus qu'à aller chercher une canette. Plus besoin de me lever mon gros cul pour aller chercher une bouteille d'eau dans le frigo. Je deviendrai comme le mec dans South Park. Le pro du MMORPG là. Quand il c'est dans l'émission spéciale au World of Warcraft. Ouais, c'est celui qui nique le monde. Ouais. Le No Life. Comme ils aiment l'appeler.
Pourquoi il y a un chemin qui est plus rapide que les autres? Ouais. Que j'ai ah, y en a qui ont pris ma banane, je crois. J'ai dispersé des bananes tellement de partout, mon pauvre. Non, d'après ce que j'ai vu en fait sur internet, par exemple, quand tu peux commencer par l'intérieur, avec ta glissade, passer genre sur le circuit qui est en dessous à l'extérieur, et en gros, ça te permettrait d'aller plus vite. Ah, ok. Ah, ouais. Un petit truc comme ça, à gauche à droite, j'ai vu ça sur un autre streamer qui faisait ça. Et il paraît que ça, tu gagnes vraiment du temps, donc. Je suis en train de manger. Attends, je vais me prendre deux bleus là. Deux bleus, deux rouges. Une étoile. Mais niquez vos mères, c'est... les gars, on va se calmer là, hein. Oh non, elle m'a fait rater mon objet. Il a essayé de me lâcher un rouge juste à la fin, l'enfoiré. C'est mon premier. Donc voilà, donc dans quelques jours, ouais, je vais vous faire un petit unboxing de ça. Normalement, ils ont dit que ça met 3 jours à arriver. Donc maximum le 5. Donc le 5, c'est après-demain. Donc ça serait jeudi. Ça tombe juste sur mes repos, donc je vous ferai une petite vidéo délire à la con. Oui. En plus, sachant que comme j'ai déjà une Xbox, je peux le mettre à côté pour comparer toi la taille. Attends, ouais. T'as encore une course à faire? Non, c'est tout bon. Attends, c'est bon. Donc les gars, on est actuellement pour le tournoi. Donc premier tournoi, les gars, qu'on termine. Donc, je suis premier avec 234 points. Antoine est deuxième avec 94 points. Unique a dû quitter en cours de route pour dysfonctionnement de manette. Qui était déjà annoncé avant le tournoi, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. 32 points. Donc merci Antoine, merci Uni d'avoir participé à cette première émission de FC Wolfpack Rage, le somme de Mario. J'espère en tout cas pour tous ceux qui sont sur le live aussi que ça vous aura plu, ce petit délire. Je vais vous raid un poteau. On va aller raid un poteau. Oh putain, le micro qui m'a éclaté l'oreille. On va arrêter un poteau. Où est-ce qu'il est? Il est là. On va y ramener un peu de monde chez Tonton Crémarie pour ce soir. Comme ça, je vais commencer à uploader la vidéo et je vais la mettre qu'elle puisse être disponible demain à 10h. La rediff du tournoi. Donc voilà. Donc si ce petit délire de tournoi hebdomadaire, donc toutes les semaines, vous plaît, dites-le dans l'espace commentaire de la VOD. Moi, je vous dis à demain. Je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao tout le monde. Peace! Surtout partager, liker et oublier.